Au sommaire du magazine, découverte d'un sport à vous couper le souffle, pratiqué par Denis Gromaire, sportif de haut niveau et natif de l'île de Moorea. Il nous parlera de ses projets et de sa préparation pour participer aux différentes compétitions internationales. Puis notre athlétique Veimiti relèvera le défi surf lancé par Lorenzo Benenti. Et pour terminer, place à l'une des plus belles séquences du web. Bon mag à tous! À Polynésie et à tous ceux qui sont parmi nous aujourd'hui et bienvenue dans votre émission Islanders Tahiti. Regardez comment il fait beau et chaud aujourd'hui. Un temps parfait pour aller surfer en compagnie de Lorenzo Avenenti qui va m'emmener sur ses spots préférés tout autour de l'île de Tahiti. Let's go! Salut Lorenzo! Ça va? Ça va. Alors, depuis combien de temps est-ce que tu pratiques le surf? Ça va faire 10 ans que j'ai commencé le surf. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Qu'est-ce que ça représente pour toi et pourquoi est-ce que tu surfes? Le surf, c'est un peu tout pour moi. Ça fait partie de toutes mes journées. J'aime être dans l'eau, passer du temps dans l'océan. Quels sont tes spots préférés, que ce soit ici ou à l'étranger? Mes spots préférés, c'est Tapuna, Chopo, Veirao, Mitirapa et Pipeline. Tu es un des riders locaux du film La nuit de la glisse. Comment s'est passée cette expérience? Alors, d'abord, ça a commencé, on est parti surfer entre copains avec Tika. L'équipe de tournage de La nuit de la glisse est arrivée à Tahiti et Tika m'a dit hey, ça ne dirait pas d'aller surfer avec nous. Bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai tout donné et à la fin, ils avaient beaucoup d'images de moi. Alors, ils m'ont proposé si je voulais faire partie de l'aventure et bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion et ça a été une superbe aventure et jusque maintenant encore. Qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui souhaitent se lancer dans le surf? Alors, à tous ceux qui veulent se lancer dans le surf, pas hésiter, il faut se mettre à l'eau. Vous n'avez pas besoin de la meilleure des planches pour commencer. Vous pouvez commencer sur des planches en mousse et petit à petit. Et il ne faut pas abandonner, c'est très dur au début, ça donne envie d'abandonner, c'est dur de se lever, c'est dur de nager et tout, mais il ne faut vraiment pas abandonner. C'est vraiment un bon sport, ça calme, ça canalise l'énergie et ça vous fait passer de meilleures journées. Alors, Veimiti, comme je sais que tu adores les défis, je te propose de partir en défi avec moi pour une bonne session de surf. Je suis prête, j'adore surfer et en plus, j'adore aller surfer au récif. Donc, serrez moi pour le défi. Ça s'est super bien passé, les vagues étaient on fire, Veimiti elle était on fire aussi. Elle a fait de gros take-off, de beaux noms, j'étais vraiment impressionné et tous ceux au spot aussi je pense ont été impressionnés. Donc le défi a été relevé. Moi j'adore le surf, on a été méga conditions, c'était vraiment super et voilà. Merci beaucoup Ezo. Natif de Polynésie et apnéiste professionnel, nous emmène dans son univers sur l'île sœur de Moorea. Il nous parle de ses ambitions, de ses projets et des différents entraînements qu'il doit suivre afin de se préparer au mieux pour les compétitions internationales. Reportage. «
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit l'adage. Et c'est encore peut-être plus vrai en Polynésie, où les adeptes des sports de glisse aiment flirter avec l'aurore. C'est le cas des surfeurs, bien sûr, mais pas seulement. L'aube est aussi un moment privilégié pour l'entraînement de l'apnéiste Denis Gromer. L'histoire ne nous dira pas si sa passion lui est née comme à d'autres devant le visionnage du Grand Bleu, le film culte de Luc Besson. Une chose est sûre, en revanche, cette passion pour l'apnée a été nourrie dès l'enfance. Ma mère, qui était institutrice, a toujours voulu aller enseigner dans les îles les plus lointaines. Donc on s'est vite familiarisé avec toutes les pêches. Et moi, c'est la chasse sous-marine qui m'a plu et je pratique depuis que je suis très jeune. Et c'est en bloquant en chasse sous-marine, à essayer de comprendre pourquoi les apnéistes restent plus longtemps, comment ils font pour descendre plus profond, que j'ai commencé à m'intéresser à l'apnée. L'apnée, ça me procure beaucoup de choses, que ça soit dans le mode de vie qui colle avec, que ça soit au moment où on fait ses performances, au moment où on plonge. Et puis, il y a aussi le côté mental qui est intéressant. On n'est pas dans notre élément, donc on essaye de faire en sorte que tout se passe bien et faire le vide dans sa tête fait partie aussi des clés des apnées profondes. La nature me donne beaucoup de force, je trouve mon inspiration dans la nature et j'ai grandi dans l'océan et c'est vrai que dès que je mets la tête sous l'eau, j'ai l'impression d'être plus dans mon élément que quand je suis sur Terre. Des descentes de quelques minutes en apnée sont préparées durant des semaines et même des mois. Il faut dire que cette discipline si particulière réclame une condition physique et mentale exceptionnelle que Denis entretient au quotidien avec des entraînements intensifs. Ma préparation dernièrement, elle est très axée sur la force musculaire des bras puisque je fais de l'immersion libre, donc en tirant sur la corde, quand on remonte du fond, il y a une force quand même, il faut porter son poids, voilà, donc il faut envoyer un peu. Mes entraînements peuvent durer entre 40 minutes et 1 heure où je fais de l'apnée avec mes élastiques non-stop. Ça me permet de pousser les limites et de progresser, que ça soit en apnée, que ça soit en renforcement musculaire et aussi au travail mental qui est très important. De faire ces exercices à sec, après quand on est au fond, c'est un automatisme. La préparation mentale, je vais dire qu'elle commence déjà sur le mode de vie que j'ai. Si j'ai un mode de vie qui ne suit pas, le mental, il ne va pas tenir. Donc c'est pour ça que je suis très attaché à mon mode de vie, c'est-à-dire à mon alimentation, à bien dormir, pour que je sois au top tous les jours quand je fais mes entraînements. Pour progresser, il n'y a pas de secret. L'apnée, c'est un sport comme un autre. Pour progresser, il faut s'entraîner. Il y a des entraînements à sec, bien sûr, qui sont importants, mais il faut aller en mer, voilà, pour s'entraîner et progresser mètre par mètre. Donc il y a 2 ans, j'ai participé à ma première compétition d'apnée à Villefranche-sur-Mer. Donc c'est une compétition qui était organisée par le Nice Abyss Contest. J'ai eu de très très bonnes sensations et puis voilà, rencontrer les apnéistes, les meilleurs de France et tout, ça m'a donné envie de renouveler l'expérience. Donc c'est pour ça que cette année, je me reprépare encore pour 3 compétitions. Le Nice Abyss Contest, donc 2018, le championnat de France et la compétition la plus prestigieuse au monde, la Vertical Blue, qui se déroule dans le Dean Blue Hall. Donc le fameux trou bleu qu'il y a aux Bahamas. Et mes objectifs pour les compétitions sont un peu ambitieux, mais je vais essayer de descendre sur 80 mètres en immersion libre. Donc je fais toute ma préparation physique pour y arriver. Dans ma préparation physique, je fais un exercice avec l'élastique qui permet de simuler ma descente sur 80 mètres. Donc il faut compter entre 2 minutes 50 et 3 minutes. Je suis cadre A de l'administration communale et il y a 2 ans, j'ai décidé de me mettre en dispo pour pouvoir monter mes projets personnels, dont celui de monter un club d'apnée et celui aussi de pouvoir consacrer mon temps à la préparation à ces compétitions-là. Ça me permet de me recentrer sur les valeurs qui me parlent, les valeurs qui m'inspirent et passer du temps un peu plus pour moi.
voilà, pour avancer comme ça dans la vie. Je trouve que c'est important dans la vie, à un moment, de se recentrer sur soi et de, voilà, de trouver l'énergie qu'on veut, là où on veut et quand on veut. Et en apnée, on peut se faire mal aux oreilles. Si la compensation, elle passe pas, on va forcer. Après, on peut se faire des otites. On peut aussi se faire des œdèmes pulmonaires. On peut mettre du sang dans les poumons, cracher du sang. Il faut faire attention. On peut se faire mal au sinus aussi. Et enfin, l'accident qu'il faut bien sûr éviter, c'est la syncope. C'est pour ça qu'on ne plonge jamais tout seul. Il y a toujours un binôme de sécurité qui vient et qui accompagne l'apnéiste sur les 10 derniers mètres de la remontée. L'apnée à l'arrache, l'apnée tout seul dans son coin, là, c'est dangereux. Surtout quand on va un petit peu profond. Voilà, on entend parler de la syncope des 7 mètres, donc c'est un phénomène physiologique qui se passe dans le corps. C'est sur la remontée qu'il y a le plus gros risque d'accident. Et s'il n'y a personne pour nous sauver, pour nous récupérer, pour nous secourir, ben c'est la noyade. J'ai ouvert une école d'apnée sur Mouréa. Ça me permet d'enseigner ceux qui veulent apprendre ou même ceux qui veulent se perfectionner. Je travaille beaucoup avec la Fédération Tahitienne des Sports Subaquatiques sur la mise en place du volet apnée en Polynésie pour développer cette filière-là. S'il est autodidacte, Denis Gromaire ne s'en est pas moins imposé une vie d'ascète pour atteindre les performances dont il rêve, fût-ce au prix de certains sacrifices. Les sacrifices qu'il faut faire en préparation physique et mentale pour la compétition, ça va être l'alimentation premièrement, avoir une alimentation saine, éviter de manger gras, éviter le sucre et favoriser les produits locaux bien sûr et les produits riches. Riches en fer, riches en magnésium, riches en fibres et riches en protéines. Avant les championnats de France d'apnée en eau libre et les autres compétitions inscrites à son calendrier de l'année, Denis, l'apnéiste polynésien, est retourné sans relâche à ses ateliers organisés dans la montagne. Il s'entraîne dur et même plus que cela. Peut-être aussi parce qu'il sait sans doute mieux que personne savourer le fait de respirer pleinement à l'air libre dans une nature préservée comme celle du Fénois. Ensuite, on regarde les meilleures images du web de la semaine. Ces belles images Highlanders Tahiti, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous pouvez nous retrouver sur France O ou en replay sur francetvinfo.fr. Et je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux Highlanders Tahiti sur Facebook et Instagram. À la semaine prochaine pour des aventures encore plus folles. Bisous tout le monde!